Rebellion. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit retrouvé coincé dans ce scriptorium. Plus jamais. Jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferai mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Ça vient de moi. Enfin, pourquoi ce portrait était vide. J'adore. Allô, Mora.
Ohomora. Ressemblait Préola avant de faire un peu. Donc la personne à battre ajoute magique. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pinch Smedley. Bonjour Grace, qu'est-ce que tu fais ici? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer? C'est parti. Bien, voyons voir ce que tu vaux. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pinch Smedley. Je crois bien que j'ai eu le dessus. On dirait que tu n'as pas eu l'avantage cette fois. Tu veux réessayer? C'est d'accord. Alors, en place. Action.
comment il faut faire. On dirait que tu n'as pas eu l'avantage cette fois. Tu veux réessayer? C'est d'accord. Alors, en place. Action. Voilà comment il faut faire. C'est une mauvaise nouvelle. Action. Tu n'as rien vu. Quel coup remarquable! Bravo! La plongée, le plateau d'attraction, tu as vraiment du talent pour tout. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée, mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. En route pour de nouvelles aventures? Ah, c'est toi! Justement, je te cherchais. Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère, William. Celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire.
Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Oh, je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère ? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau, et pouf ! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversée. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Est-il possible de briser le sort ? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolar et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider ? Pourquoi le sarcophage de Marmaduke est-il maudit ? La malédiction tire son origine d'une rivalité fraternelle opposant Granum Dale à son petit frère, Marmaduke. Marmaduke était un botaniste de renom, ce qui a entraîné la jalousie de Granum face à son succès. Une rivalité familiale intense ? Ça me rappelle d'autres membres de la famille Dale. Jamais je ne jetterai de mauvais sort sur mon frère. Pas comme l'a fait Granum. Quand leur mère est morte, Marmaduke s'est vu confier le blason familial. Granum s'est alors senti lésé par cette décision, pensant qu'il devait revenir à l'aîné. À la mort de Marmaduke, Granum s'en est emparé et a jeté un mauvais sort, empêchant tout membre de la famille Dale de venir se recueillir sur sa tombe. C'est vraiment sans danger ? Je ne veux pas que mes pieds se transforment en betteraves. Oh, la malédiction ne touche que les descendants de Marmaduke. Mon frère en est la preuve vivante. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu n'es pas de la famille, la malédiction n'aura donc aucun effet sur toi. Pourquoi ton ancêtre était-il aussi connu ? Il a découvert d'innombrables végétaux, sans oublier aussi les propriétés de plusieurs herbes et plantes magiques. Le monde des sorciers lui doit beaucoup. Ses travaux ont non seulement contribué à la botanique, mais également à l'art des potions. Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke. Oh, merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter.
Mes pieds ne se sont pas transformés en betteraves. C'est un bon début. J'aurais dû me douter qu'un botaniste utiliserait un filet du diable. Lumos. Un troll? C'est une blague. Marmaduke a laissé derrière lui bien plus que des plantes. Oh.
sarcophage. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Réveillon. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. J'espère que ça dissipera le mauvais sort. J'ai une bonne nouvelle. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves ! Oh, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand-chose. Un troll ? Oh, c'est affreux ! Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. On peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. De la magie. Je me suis presque endormie en classe. Allô, Mora. C'est que ça, une demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise.
très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. On manipule vraiment... Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un... Sur les citrouilles. Bombarda, vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Professeur, puis-je vous déranger un moment ? Oui. Qu'y a-t-il ? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures magiques. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine ? Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment votre voix vous est apparue clairement ? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Quel type de créature est un Okami ? C'est une créature fascinante.
une créature semblable à un serpent à plumes et ailée, qui peut grandir ou rétrécir à volonté. Ses œufs sont en argent pur, d'où le fait qu'ils soient très recherchés. Trouver un okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet. Après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs ? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet. J'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie, et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci.